mollets, les calf raises à une jambe, je veux pas que tu prennes de poids pour cet exercice-là. Je voudrais que tu te concentres sur le bon positionnement de ton pied. Fait que je mets le devant de mon pied sur le step. Fait que je veux vraiment, quand j'arrive en haut de ma répétition, je veux monter le plus haut possible en m'assurant que mon genou est complètement déplié puis que je pousse en dessous de la base de mon gros orteil. C'est là que je veux appliquer la pression quand je vais être en haut. Je veux pas m'en aller sur l'extérieur de mon pied puis que l'intérieur, la base de mon gros orteil, soit plein air. Je veux que mon poids soit là. Donc, ce qui est important, je descends en contrôle, je laisse aller mon talon, je veux que ça étire mon mollet. Puis en gardant mon genou tendu, je pousse, je viens stabiliser en haut le plus haut possible, je laisse aller en bas, je remonte. Tu peux faire ça sans t'essuyer si tu veux, mais assure-toi d'aller chercher un bon étirement en bas puis d'appliquer la pression à la bonne place en haut en intervenant le plus haut possible.